Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, coloriage bien sûr. C'est le coloriage du livre Garden of Joy de Sabine Dessing. Alors, on colorie un gros champignon avec des petits lutins. Voilà. Alors, je l'ai fait avec mes Polychromos Faber-Castell, je cherchais. J'ai fait avec ces crayons-là. J'ai utilisé également l'encre d'or de Winsor and Newton. Voilà, si je ne me trompe pas, mais de toute façon, je vous remets les noms. Et également, alors là je ne me rappelle plus du nom, c'est la marque aussi Winsor & Newton, c'est du médium, alors comment on dit, iridescent, oh, je ne sais plus, c'est ce qui fait avec des paillettes là, très très fines. Je vous avais déjà montré, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer. Mais je vous remets tous les noms en barre d'infos. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux produits-là en plus de mes crayons de couleur. Et là, sur cette vidéo ici, vous ne verrez pas le fond, mais je ferai le fond sur la prochaine vidéo. Là, je ferai mon fond avec les pastels tendres Faber-Castell. Oui, en ce moment, je suis en pastel tendre. Voilà. Il faudrait peut-être aussi que j'utilise mes néocolores, parce que je les avais achetés, hein, vous rappelez. Mais c'est vrai que je ne les sors pas beaucoup. Mais bon, ça viendra. Donc voilà, donc je vais faire un coloriage sur ce gros champignon, tout mignon. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous remettrai le lien également de la présentation de ce livre qui est très sympa. J'aime beaucoup. Alors, je confirme, je vous avais dit au moment de la présentation du livre, je ne savais pas si on pourrait faire de l'aquarelle quand même dessus. Mais non, c'est pas la peine de faire de l'aquarelle dessus. C'est vraiment un livre pour faire du crayon, principalement. Là, mon encre or, elle passe tranquillement, il n'y a pas de problème. Même mon produit à paillettes. Mais l'aquarelle et des feutres, ça ne passera pas sur ce livre. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, et des petits pouces. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!
Thank you.
Thank you.